Le week-end dernier a démarré en beauté pour Anthony Cavanagh. L'artiste canadien de 53 ans devait être un poil stressé. Après 5 longues années d'absence, l'humoriste faisait son grand retour sur la scène du Casino de Paris pour présenter son nouveau spectacle, Happy. Alors pour soutenir celui qui cesse de forger une belle carrière en France, ses amis les People avaient réservé leur soirée pour venir l'applaudir et à l'image du show, CST plus que content qu'ils sont sortis du spectacle. Parmi les stars venues présentes en soutien à Anthony Cavanagh, la star d'M6 Stéphane Plaza aux côtés de l'un de ses plus grands complices du moment, Jean-Phi Janssens. Rien n'a changé entre les deux grosses têtes de Laurent Ruquier dont le rapprochement a eu lieu lors d'un tournage de recherche appartement ou maison où l'agent immobilier était chargé de trouver un logement à l'ancien Stewart. Une autre invitée de renom, Séverine Ferrer. L'animatrice a beau fêter ses 45 printemps le 31 octobre prochain, la femme de Frédéric Mazé, père de ses 3 enfants, fait toujours 20 ans de moins puisqu'elle n'a pas pris une ride. Anne Roumanoff avait également pris place dans le public, peut-être pour observer ce que la concurrence amenait dans ce nouveau show très prometteur. Pierre-Jean Chalençon et Alex Good avaient aussi fait le déplacement pour découvrir le nouvel Anthony Cavanagh et accueillir ce retour comme il se doit. Autant dire que voir autant de monde et de copains se ruer dans la salle a ému le principal intéressé, très heureux de retrouver toutes ces belles personnes avec qui il a eu l'occasion de nouer des liens d'amitié dans le passé. Malgré les années qui passent, rien n'a bougé. Anthony Cavanagh est toujours aussi complice avec eux.